Wesh wesh people, bien quoi, it's Manuelito, you don't know, Stigliba. Yeah. Après ce confinement de 2 mois, là maintenant nous allons donner un coup de pouce à ces entreprises. Aujourd'hui nous allons voir Fresh Black Cars, un garagiste qui est situé au Rosier, sur la route de la Riviera, derrière la Gouba, ok. Nous allons customiser un T-Max 560 2020. Ça promet, ok. Nous allons passer tout ce qui est phase de poussage, peinture, et ensuite nous allons coller des stickers avec l'homme qu'on appelle Wix. Fresh Black Cars et Bell Design. Tout de suite en image dans nos Firebird. And I'm hopping it. He claiming the game, but he not in it. The Birkin bag came with the fire in it. He told you a rap with a line in. He got some new jewels, he flexing his ice. He praying to God he don't die in it. Let me take him back to the back door in the north. Don't you remind me. I try to stay low, but I shine so bright, so it be hard not to find me. These rainbow diamonds up in that rolling. No, this not your regular timepiece. Confidential order gon' cost you a quarter, and this a fee to stand beside me. God forbid if somebody try me, I'm turning. Wesh people, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes actuellement chez Fresh Black Cars. Fresh Black Cars, vous connaissez ce garagiste qui nous situe au Bossier, derrière la Gouba, ok. Ben là, nous sommes en train de donner un relooking à un T-Max 560, ouais. Donc, actuellement, nous sommes en train de découvrir le métier de peintre. Il n'est pas facile du tout, être un artisan n'est pas facile, mais bon, il faut se battre. Et actuellement là, je pense que j'aurai les bras ou même les épaules de Popeye. Ok, donc là, à suivre pour voir la continuité de ce véhicule. You don't know, stick it up, on fire burn it. Yes, sir. It's Miko business. Yes, sir. We divided the field like tennis. Divided the field. We shook up the trenches. Moving the tennis and still trapping in it. Trapping, trap. It's a handout 50. Woo. I stack it up, double up, spend it. Stack it, stack it. When the rest too skinny. Too skinny. I can make some squeeze a million. Squeeze. When the rest too skinny. Wesh, wesh, people. Bien quoi. Actuellement, nous nous trouvons chez Fresh Black Cars. Nous avons commencé la première partie de la vidéo avec un T-Max 560 qu'on va customiser. Il a été passé au four à la peinture en mode ponçage. Là maintenant, c'est fini, remonté. Nous allons commencer la partie stickers. Nous sommes actuellement avec l'homme qu'on appelle Luigi. Ouais, 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 Luigi, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est stickers au niveau du véhicule. Les stickers sont choisis par Zaza, Xavier, propriétaire, gérant du garage Fresh Black Cars. Donc tout ça en image, restez connectés. You don't know, c'est Liba. Walking dripped out, you see the details. I got water on me dripping like a seashell. I gave her love, she wanted love, I told her, oh well. When I was broke, I busted traps right off my next tail. What you gonna do when you make it? A lot of people change when it comes to being famous. 50,000 cash in my pockets when I lane switch. I'm a rich nigga, I won't fuck her if she basic. She a rich bitch, cut a nigga off for faking. Nightmare on them street, I'll confetti like I'm Jason. Hardly ever sleep, I told the doctor I'm Fresh people, comme vous le savez, aujourd'hui nous retrouvons au garage Fresh Black Cars. Nous sommes avec Xavier Zami, okay, dirigeant, responsable, on dira même directeur, okay, de l'atelier, où est-ce que vous pouvez prendre tout type de véhicules, pas uniquement moto, bateau aussi, n'est-ce pas? D'accord, voiture et d'autres, tout ce qui est à peine, il est capable de faire. Et nous sommes également avec Louis Guy, qui représente Bell Design. C'est lui qui a participé, c'est lui du moins qui a collé au niveau des stickers du T-Max 560. Actuellement, Xavier, dis-nous tout, depuis quand tu es dans la peinture en fait? Alors, je suis dans la peinture depuis mes 16 ans. Depuis les 16 ans, ouais. Ok, on dira, que c'est on dira que c'est une histoire de famille là, parce qu'il y a les empages. Les empages, de mes préférés. Voilà. Il est plus parmi nous, mais il restera toujours dans mes dans mon corps. Ouais, après j'ai de la famille qui nous a vraiment inspiré comme Lionel Bouchard, comme Philippe, Duffy. J'ai inspiré ça, c'est parti par là. Ok, ok. Bon, visiblement, est-ce que tu es fier déjà du prototype du T-Max 560? Ouais, belle machine, belle machine. Après, bon, j'ai de la chance de pouvoir la faire en premier, la faire découvrir, personnaliser. Avec inspiré par quelqu'un. Comme ça, ça va vous rappeler des choses, mais on a voulu rester dans le même thème que le T-Max de Zampache. Comme dit dessus, Zampache Memory, en mémoire à Zampache. Du coup, j'ai parti de ça. Hein. Et très satisfait du résultat. Ok, mais au niveau du kit déco,
comment tu sais que en mettant ce kit déco par là, ça ira? On sait pas. Comment? Parce que on peut se dire aujourd'hui, on vient pour le kit déco, etc. Et ça ressort pas aussi top. C'est pas frais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Là, tu as collé, tu as su coller tel endroit précisément. Et le scooter est magnifique. D'où c'est parti en fait les idées du collage? Bon, après bon, il y a des petits fonds, des petits aperçus que je vois un peu dans ma tête, mais après tout le travail vient après par rapport aux conseils, l'expérience de Luigi. Et du coup c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a une base dans la tête quand même. C'est ça, c'est une belle chose que tu as déjà vu. Ouais. Ok. Voilà. Et pour un T-Max ce type à peu près sûr, quelqu'un vient avec un T-Max. Ça peut être un 560, un 530, un 500 aussi, ou n'importe quel véhicule. Et tu viens te dire, Xavier, aujourd'hui je veux peindre mon véhicule. Pour décorer, peinture, il faut compter une tranche de prix à peu près de combien? Un barème du moins. Bon, après la peinture personnalisée, tout dépend des couleurs. Peinture unie, ouais, il faut compter 600 euros complet. Unie, maximum deux couleurs. Il faut compter 600 et dans la personnalisation, ça change tout dépend de la couleur, tout dépend du motif, exactement. Voilà, tout ce qu'on fait avec la personne veut en fait. C'est ça. Ok, donc en gros, c'est comme une voiture, plus il y a des options, ouais, et plus le prix va varier. Ok, d'accord. Ok, ben là nous sommes avec Luigi, Bell Design, d'accord. C'est lui également qui est représentant de ce concept. Luigi, ça fait combien de temps également que tu es dans le design en fait, de le relooking, on peut exprimer ça, comme ça. Écoute, vraiment, ça fait 16 ans. 16 ans 16 ans, oui. Ok, d'accord. 16 ans, comme David l'a dit en fait, c'est en partie, vous avez travaillé en fait en symbiose en fait, pour pouvoir réaliser en fait ce magnifique véhicule. Tout ça, on suit à la base par Zone Bash. Mm-hmm. On a commencé avec Zone Bash, tous les deux, et voilà, et ça continue. Salut. Ok. Mais on voit que le collage est bien précis. Est-ce que ça demande du temps pour avoir de la patience? Oui, la préparation, le collage, c'est de la patience et du temps aussi. Et j'ai bien été conseillé par ta vie aussi, j'aime bien être conseillé par le client. Le client, voilà. Me dire ce qu'il aime, ce qu'il préfère, ce qu'il aime bien, et moi je suis beaucoup curieux. Ok, d'accord, parfait. Et est-ce que tu colles uniquement que sur des deux roues ou est-ce que tu colles ton collage, il est sur tout type de véhicule? Moi, il est sur tout type de véhicule, que ce soit panneau, fourgon, bateau. Ok, donc vélo, t'as pas de spécialisation différente, tu vois, spécifique, tu as, en gros, t'es un caméléon, tu t'adaptes à ce qu'on te donne en gros. Voilà. Ok, d'accord, et pour pouvoir... Mm-hmm. Ok, d'accord. Et à peu près pour équiper un véhicule ce style, à peu près les barèmes de prix, il faut compter à peu près combien? Ça varie entre 150 et 250. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Ben, vous avez vu en final des comptes, nous sommes partis sur une base de 560. Je suis allé à la découverte de la préparation d'un véhicule. Je suis rentré dans ce domaine, la peinture, le ponçage. C'est un métier qu'il faut vraiment découvrir. Par contre, il faut vraiment être motivé parce que pour poncer, en fait, ça donne des épaules. Et j'ai assisté à toute la préparation de ce véhicule. Et sincèrement, magnifique. Ok, people. Donc là, on va remercier Xavier et Luigi. Et people, you know, stick it back, my fire bird there. I was mad we front of there. I never let another bitch embarrass me. I had to wear the same draw. Going out for weeks, and niggas stank, but this shit paid off. Flexing like I own the rental, nigga. I had to play it off. Hoes, I put this dick off and then hold just like I'm.